Ça fait exactement 29 mois. Depuis assassin, criminel, assassiné le président Jovenel Moïse dans la résidence de la Caille. 29 mois après, moi-même, là, juge d'instruction invité, de toute façon, donc on est en politique, coïncidence ça n'a pas existé, c'est une coïncidence bizarre. Mais quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, juge d'instruction invité, m'a venu. Parce que, évidemment, si juge d'instruction n'est pas délié à la main, si il y a un assassin qui est dans la prison, si il y a un rapport très méticuleux que le DCPJ fait, c'est grâce à leadership 72 heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est parce que nous avons décrété dans le pays à état de siège qui fait que nous avons arrêté l'assassin. C'est parce que, en tant que Premier ministre, nous n'avons pas entravé le travail de DCPJA qui fait que nous sommes capables de gagner véritablement un rapport dans la dimension que de bonne facture que DCPJ. Nous passons à savoir que assassin, criminel, oligarque, qui touillé, assassiné le président Jovenel Moïse pour l'idée, nous avons souhaité ces gens qui ont demandé justice, ces gens qui sont proches, ces gens qui sont victimes de tout le monde. Mais c'est bien compté, mal calculé. Tout de suite après avoir assassiné Jovenel Moïse, j'ai été invité FBI à venir dans le dossier. C'est ça que fait. Pas qu'il y ait une manipulation de la justice haïtienne. Nous connaissons tout. Que la justice haïtienne vient toute faiblesse. Nous connaissons les gens qui ont l'argent, qui veulent mettre la justice sous coupe réglée. Nous connaissons. Que les gens qui gagnent en pile l'argent, ont souhaité que c'est Claude Joseph qui est véritable combattant pour justice pour le président Jovenel Moïse là, et bien c'est lui-même qui vous a inculpé, c'est lui-même qui vous a parlé de vous. C'est bien compté mal calculé. Vous n'êtes pas ici, hein? Vous comprenez, vous avez bataille qu'a fait là, c'est pas une bataille jouette, parce que Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées. Jovenel Moïse a été assassiné pour son combat. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il était voulu permettre à la population haïtienne de vivre des jours meilleurs. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, dans le parti politique aidé, qui travaille pour organiser le parti dans tout le pays, nous faisons évidemment la bataille pour la justice de Jovenel Moïse là en priorité. Parce que même Jean Aurore a dit dans le communiqué qui sortit 8 août 2022, pas qu'à gagner entente et harmonie dans le pays, tout autant question de justice pour le président Jovenel Moïse là pas réglée. En d'autres termes, la question de justice pour le président Jovenel Moïse sont préalables à tout accord politique, à toute entente politique. Nous-mêmes, c'est ça nous demander sous table de négociation. Nous demandons si le juge l'a invité, il faut que vous veniez sous bagage un et un ouais avec assassinat, il faut que vous veniez. Nous demandons que personne ne pas cacher derrière le pouvoir pour entraver la justice et faire obstruction à la justice. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous croyons que le président Jovenel Moïse a bien de justice. La démarche, elle est politique. C'est ça que fait nous-mêmes, dans le niveau parti politique, aider. Sous table négociation, nous engagons. Aujourd'hui, nous supposons m'être rencontré avec éminente personnalité CARICOM. Drôle de coïncidence, nous là dans le cabinet d'instruction. Et nous connaissons que aider est resté fidèle à sa position en dans négociation. Est-ce qu'on vous a une invitation? Donc, moi, après été disponible, chaque fois que le juge l'a invité, pour moi, vivre. Sauf que,
Nous restons également vigilants parce que nous connaissons en pile tentative pour intimider, pour manipuler la justice de telle sorte que c'est les amis, les proches, famille président Jovenel Moïse qui passent comme victimes et que Bourroyo qui a vaqué librement activité. Encore une fois, c'est bien compté, mal calculé. Sur ces bourreaux, wap bourreaux, parce que bataille là, pas de merci à vous. Merci. Nous ne prenons pas ça comme une simple coïncidence. Parce que nous tous connaissons qui bataille politique m'a mené dans le pays. Il y a d'abord pour le président Jovenel Moïse en justice. Et ensuite, pour le pouvoir qu'il a, vous entendez la raison. Nous connaissons un pile manipulation qu'a fait pour en fait un pile tractation qu'a fait pour manipuler le CIA, pour manipuler la justice. Mais pour oligarques, pour criminels, pour bourreaux, pour assassins, c'est bien compté, mal calculé. Parce que depuis tout de suite après l'assassinat, c'est moi qui t'ai invité FBI vient aider nous. Qui donc, c'est deux juridictions qui sont le CIA. Pas aucune autorité en Haïti qui a décidé un bon matin d'y inculper des proches président Jovenel Moïse pour des raisons politiques ou bien il y a des vérités dans mes vérités. Il y a également devant la juridiction américaine. Mon yo déjà clair. Il y a dit. Ils ont participé à l'assassinat. Tout assassin qui parle de témoigner devant la justice haïtienne, ils ont d'accord devant la justice américaine qui ont participé à l'assassinat. Et ça, c'est grâce à travail en tant que premier ministre. C'est ça que fait. Moi-même, j'ai toujours été disponible pour la justice pays. Moi, pas quoi. Que personne ne doit cacher des pouvoirs pour faire obstruction à la justice haïtienne. C'est ça que fait sous table négociation. Nous croyons que justice pour le président Jovenel Moïse là, c'est un préalable à tout accord et à toute entente. Pas de aucun bourreau assassin qui va négocier pouvoir alors que une façon ou l'autre, il participe à un crime. Ça que nous toutes condamnons. Donc nous-mêmes, au niveau de aider sur table négociation, nous poser la question de justice pour le président Jovenel Moïse comme un préalable. Donc c'est ça, pour me dire nous là, je vais toujours répondre à l'invitation du juge d'instruction depuis que j'ai invité. Ça va nous aider en tout cas, ça va nous aider. Donc on est que l'assassinat ça, c'est une question de droit pénal international, en ce sens que il y a des étrangers qui impliquent l'assassinat. Ça vient de faire que l'Union internationale, les États-Unis, est très avancé en ce sens que il y a des gens qui arrêtent, qui jugent, qui condamnent, mais en Haïti ça traîne encore. Ça fait dans la mesure où nous avons une justice qui n'a pas fonctionné. Nous avons aussi ce qu'on appelle le gain de l'impunité. À savoir, les gens qui peut-être, je dis bien peut-être, sont capables de proche pouvoir, qui déroule la relation avec le pouvoir, sont capables d'empêcher l'enquête d'aller avancer. Nous-mêmes, nous disons comme avocat avec le client, qui a répondu à l'invitation et qui a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Il sera toujours disponible. Cela n'empêche quand même que de constater que le dossier traîne, n'avance pas. Nous souhaitons que dans les jours, mois à venir, nous soyons capables d'être plus concrets. Cela veut dire quoi? Des gens qui sont capables d'impliquer suivant le rapport dressé par la DCPJ, nous avons gagné. Non seulement il a arrêté à la prison, et les gens qui sont en prison dans le pays jusqu'à présent, ils ne peuvent pas véritablement tendre. Donc la justice haïtienne, nous comprenons, ça traîne, ça n'avance pas. Nous souhaitons que nous ne pas dilatoire qu'a fait. C'est-à-dire que inviter juste pour inviter,
mais il faut voir le concret, c'est-à-dire des mondes qui ont des implications, qu'effectivement ils ont tendu, ils ont procédé à l'arrestation, ils ont jugé, ils ont condamné. Tout ça, il y a fait partie de patriotiques qui ont rencontré ensemble.